rien à cette devant par Dieu. Facilite la compréhension à tout et chacun de nous. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Nous te supplions, Père, de nous parler, d'ajouter plus à notre foi. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Nous sommes toujours dans la continuité de Lumière sur l'Apocalypse chapitre 17. Je sais que mardi, nous étions déjà entrés dans l'explication. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer pour que l'Église soit réellement affermie. Nous sommes dans le même texte, Apocalypse chapitre 17. On explique qu'aujourd'hui, les versets 5 jusqu'au 8e verset, il est écrit. Apocalypse 17, 5e au 8e verset, nous lisons. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de la ville et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Merci. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication dans l'étude des Écritures. Amen. Nous les bénissons parce que, comme je l'ai toujours dit, comme le bien-aimé Mephibosheth s'est posé des questions, qui suis-je pour trouver grâce sur ta table? Et nous le disons chaque fois, nous sommes comme le Mephibosheth. Si nous sommes à la table du Seigneur, c'est par sa grâce. Personne n'a mérité. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons avoir, c'est par la grâce du Seigneur. Je me souviens du roi d'Assyrie qui s'est posé des questions. Évangéliste, tu peux lire ça pour la meilleure compréhension. Ou bien, non, laissons quand même du temps parce que ça va nous emmener encore loin. Le roi d'Assyrie disait ceci. Le roi d'Assyrie disait, qui d'entre nous révèle les secrets aux Israélites? Parce que si nous voulons descendre sur un tel lieu, ils sont déjà informés. Qui d'entre nous, c'est un ennemi qui révèle des secrets? Papa, lisez pour que les gens comprennent. Parce que si je le dis comme ça, peut-être ils ne vont pas saisir. Deuxième roi chapitre 6, bien qu'aujourd'hui on va beaucoup lire. Commencez par le verset 13. Le verset 13 du livre, deuxième livre de roi. Donc commencez par le verset 8 pour la meilleure compréhension. Allons-y. Le roi des Syriens était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il était avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens, ils descendent. Verset 11, rapidement. Le roi des Syriens en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire qu'Élisée était un oiseau. Il pouvait voler même dans la chambre là où le roi pensait et venir révéler les secrets d'Israël. C'est-à-dire, le roi dit, mais finalement, si nous voulons faire telle chose, Israël est déjà informé. Qui d'entre nous livre les secrets à Israël?
On dit non, en Israël, il y a un prophète. Même dans ta chambre à coucher, si tu penses à faire quelque chose, lui peut le révéler. Et moi, je crois que si Israël avait un prophète qui peut voir dans les lieux secrets, révéler à son peuple, aujourd'hui nous avons plus qu'Élisée. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le grand prophète qui voit les secrets, même dans les ténèbres, pour nous les révéler. Et chaque révélation pour Israël les rendait encore plus forts. Moi, je crois que quand nous venons dans l'église, parce que nous sommes devant le grand prophète Jésus-Christ, s'il nous révèle des choses, nous devons devenir plus forts que les ennemis. C'est pour dire que l'église du Seigneur, comme nous avons les grands prophètes, tous les mystères qui se passent même dans les ténèbres, l'église doit être en informée. Et je me suis toujours posé des questions. Quand Dieu nous révèle des secrets, des mystères, c'est pour nous amener où? Je l'ai toujours dit, Élisée était différent des fils du prophète. Ils ont vu Élie marcher avec Élisée. Ils ont couru devant Élisée pour l'enseigner, pour dire, tu sais que ton maître monte aujourd'hui au ciel. Élisée dit, oui, je le sais. Ils avaient la connaissance, mais ils n'ont pas marché avec la connaissance. Ils sont restés. Moi, je veux que si nous avons la connaissance, qu'on marche aussi avec la connaissance. Amen. Et chaque enfant de Dieu, devant des prédications, il doit se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi quand il m'envoie de tels messages? On peut recevoir les explications des mystères. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voilà mon introduction, c'était pour vous ramener à ne pas dire amen seulement au mystère, mais à comprendre pourquoi Dieu envoie de tels messages pour ma vie. C'est pour m'amener où? Parce que moi je crois, comme je vous ai toujours dit, que chaque prédication c'est une goutte d'eau. C'est une goutte de la pluie qui doit permettre à l'arche de monter vers le ciel. C'est-à-dire que chaque prédication, chaque enseignement doit détruire la terre dans nous et nous approcher plus du ciel. Si pas cela, nous serons des perroquets. On va répéter des versets, des révélations, mais cela ne produira rien dans nous. Et si Dieu a envoyé la connaissance, c'est pour nous épargner. C'est-à-dire, quand le mystère est dévoilé, révélé, il faut que les ennemis aient peur de nous comme les rois avaient peur d'Israël. Donc chaque prédication qui nous dévoile des mystères doit nous donner la force de prier, de craindre Dieu, de marcher dans l'amour, de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ça l'importance de la prédication. Si pas cela, ça deviendra comme le cours de la philosophie, de l'histoire, où on a investi dans les universités. Mais cela n'a rien produit dans nos vies. Mais la parole de Dieu doit changer et transformer nos vies. Après chaque prédication, il faut que je me sente encore plus près du Seigneur. Je l'ai écouté, il m'a dit quelque chose, il a communiqué son amour, il a communiqué sa vie dans ma vie. Alors, nous sommes toujours dans l'explication de l'Apocalypse 17. Je dis que nous avons déjà touché l'explication qui ne sera pas difficile. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais expliquer des choses. La femme prostituée comme la mère des abominations et la mère des impudiques. Ce sont des choses que je vais expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire que cette femme prostituée, que nous étudions comme mystère Babylone, elle est la mère des prostituées de la terre, elle est aussi la mère des abominations. Ce sont des choses que nous voulons étudier dans les temps, bien sûr. Alors, vous devez retenir une chose. Le prophète Jean voit cette femme, il était étonné. Évangéliste, prenez le verset 6. Commencez par le verset 5, 6, comme ça, on avance. Allons-y. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques, et des abominations de la terre. Oui. Et je vis cette femme ivre du sang des saints,
et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Le prophète Jean s'est étonné. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. Ça veut dire que l'explication de l'ange doit enlever l'étonnement d'un Jean. Jean s'est étonné en voyant ce mystère. Mais l'ange dit, pourquoi te tombes-tu? Je t'expliquerai. C'est-à-dire, l'explication de la parole doit enlever les questions, les tourments dans nos vies. Voilà comment je crois. Là où l'explication des mystères est donnée, il faut que les gens trouvent la solution à leurs problèmes. Il faut que la mort soit ôtée. Parce que s'il n'y a pas l'explication des mystères, la mort existe. Le roi de Proteuser était clair, il avait dit, si vous ne me donnez pas l'explication, je vais tuer. Et quand Daniel apporta l'explication, la mort était ôtée. Moi je crois que celui qui reçoit l'explication, la mort doit être loin des amis. Il faudrait que l'explication nous donne la vie, nous communique la faveur du Seigneur. Alors aujourd'hui, comme le prophète Jean, il faudrait que l'ange nous explique. Je dois vous dire, je ne prêche pas un ange qui est descendu comme ça. Quand les uns ont dit, le prophète a vu un ange. Moi, je crois que pour nous aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le messager de ces temps qui donne l'explication de tous les mystères. Et il les donne à travers les versets 4. C'est-à-dire, s'il y a le ministère de la parole, il y a aussi l'explication de tous les mystères. Parce que moi, je crois, si Moïse, en son temps, disait les choses cachées sont à l'Éternel, mais quand le Seigneur est venu, dans Matthieu chapitre 13, 35, il était clair pour dire, j'ouvrirai ma bouche en parabole pour vous expliquer les choses cachées depuis la création. C'est-à-dire aujourd'hui l'Église n'a plus de mystère, parce que frère Paul dit, il faudrait que les êtres célestes connaissent ces choses par l'Église. L'Église, c'est comme la femme de Samson qui doit donner l'explication au peuple de l'énigme qui a troublé toute la vie. C'est-à-dire, vous êtes tiré ce soir parce que vous êtes la femme qui a besoin de l'explication, et cette explication, c'est pour donner la vie au monde. Alors, retenez, nous parlons de la femme prostituée et de la bête. C'est un langage très simple. Le diable se sert de deux pouvoirs, deux puissances dans le monde. Il se sert de pouvoir religieux et de pouvoir politique pour instaurer son royaume et la domination. Mais remarquez, je crois le mardi, j'ai tenté de donner l'explication du mystère et je continue aujourd'hui. Je parle ici des trois temps que ce mystère agit. Apocalypse 17, verset 8, nous sommes toujours là. Les trois temps, et retenez ça. La bête que tu as vue était. Attends. La bête que Jean voit était. Était, c'est quel temps? C'est le passé. Allons-y. Et elle n'est plus. Elle n'est plus. C'est quel temps? Allez-y. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Retenez ça très bien, parce que s'il vous plaît, en tout cas, comme vous, les anglophones, disent, please, moi aussi je vous dis, please, suivez-moi ici très bien. Reprends, évangéliste. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle n'est plus. Quand on dit elle n'est plus, c'est-à-dire quoi? Descendez. Elle doit monter de l'abîme et attends. Quand elle n'est plus, c'est comme si elle est dans la Bible. Ok? Ouais. Oh là là. Je n'ai pas encore donné l'explication. Je répète seulement le texte. Vous allez comprendre. La bête que tu as vue était. Elle n'est plus. Descendez, évangéliste. Elle doit monter de la Bible. Elle doit monter de la Bible. Et aller à la perdition. À la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Elle réapparaîtra, c'est-à-dire la bête que tu vois était, elle n'est plus, mais elle doit monter de la Bible, c'est-à-dire quand elle n'est plus, elle est où? Dans la vie. Mais elle réapparaîtra.
C'est-à-dire cette bête passe dans les trois temps, passé, présent, et même plus elle est dans la Bible, mais elle réapparaîtra. Ça c'est le futur. Hein. Oh, c'est ça, non? C'est ça le texte. Donc ce texte va nous aider à comprendre les mystères. Ça sera très simple, ne vous en faites pas. Ici, je répète seulement le texte, et quand je vais expliquer, vous allez saisir. Tout le monde comprendra. Je vous en prie. Faut pas vous déranger la tête. Même si vous tombez au troisième degré comme Eutychus, ne vous en faites pas, moi-même, je vais descendre. Je vous ferai monter là-bas. Donc, ne vous dérangez pas. Évangéliste, retournons. Retournons là où nous avions étudié hier. Nous avons dit quoi? Verset 10. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Attends. Cinq sont tombés, c'est dans quel temps? Passé. C'est-à-dire, la bête qui était a existé sous forme de cinq têtes. Ok? Amen. C'est-à-dire, la bête qui était a existé sous forme de cinq têtes. Elle n'est plus. Descends. Descends. Elle existe. C'est-à-dire, la bête qui existe, un. Comment les prophètes ont dit, elle était, elle n'est plus. Mais elle existe comment? Elle existe comment? Parce qu'elle n'est plus. Mal de sujet, ça très bien. Apocalypse 13. Verset 3 de l'Apocalypse 13. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Comme? Blessée à mort. J'aime cette évangile. Il ne voit pas l'une de ses têtes comme morte, mais comme blessée à mort. Vous voyez? C'est-à-dire la bête qui n'est plus parce qu'elle est comme blessée à mort. Je réponds. La bête était, elle n'est plus, elle réapparaîtra. Maintenant, la bête qui était, qui n'est plus, qui réapparaîtra, le prophète Jean dit qu'il a vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Blessée à mort, c'est-à-dire, elle n'est plus. Amen. Le prophète Jean dit, la bête était, elle n'est plus, étant montée de la Bible, elle réapparaîtra. Mais le prophète Jean voit l'une de ses têtes comme blessée à mort. Blessée à mort, pourquoi? Parce qu'elle a fait semblant de mourir, mais elle n'est pas morte. J'espère que ça t'est raté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je sais le sujet. Est-ce certaine que nous sommes là? La bête existe? Elle existe? Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez? C'est comme elle est blessée. Vous voyez? Oh là là. C'est comme elle est blessée. Mais quand l'église sera enlevée, elle réapparaîtra parce que ce qui le retenait n'est plus. Je recommence. Écrivez Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Prenez le verset 2. Jusqu'au 6e verset. Le prophète Jean voit une femme enveloppée de soleil, couronnée de 12 étoiles, les pieds, la lune sur ses pieds. Cette femme est grosse. Elle gémit. La femme crie les douleurs d'enfantement. Mais au-devant de la femme, il voit un dragon qui avait 7 têtes et 10 cornes. Mais ce dragon-là, suivez ça très bien, vous allez bien saisir. Ce dragon-là voulait toucher l'enfant, mais l'enfant qui se trouve dans le ventre de la femme ne sera pas touché. C'est-à-dire, si vous regardez le dragon, c'est comme s'il n'existe pas, mais il est là. Pourquoi il ne touche pas l'enfant? Parce que la présence de l'enfant le retient. Il ne peut pas se manifester dans toute sa totalité parce que l'enfant est encore là. Quand l'enfant est enlevé au ciel, c'est alors que le dragon poursuivit la femme. C'est-à-dire, il était, il n'est plus, mais il réapparaîtra. Je
je recommence. Quand le diable, quand la bête brillant paraîtra, on ne priera pas comme ça. On ne prêchera pas comme ça. Parce que toute la terre aura un seul culte. La vraie adoration ne sera plus là-bas. Mais aujourd'hui, la bête est là. Mais on ne sent pas qu'elle est là parce que l'Église et l'épouse, l'épouse et le Saint-Esprit plutôt, retiennent la manifestation de la bête. Je cherche encore un exemple très simple pour que vous compreniez. L'Éternel dit ceci. Abraham, je ne peux pas te cacher mon secret. Comme l'épouse aujourd'hui, il ne peut pas nous cacher le secret. Même les choses qui ne nous concernent pas, nous devons comprendre ça parce que nous sommes sa femme. Je suis descendu à Sodome, je veux vérifier. Mais pourquoi Dieu est descendu à Sodome? C'est pour frapper les sodomites. Mais parce que l'autre était là, il ne pouvait pas frapper. Pourquoi ne pas frapper? Parce que la présence de l'autre. Et où était l'autre? L'autre était dans la ville, mais il s'est trouvé en dehors de la ville, assis devant la porte. C'est-à-dire qu'il est dans la ville, mais il n'est pas dans la ville. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Amen. Vous voyez, l'autre était dans le monde, mais les anges l'ont trouvé hors de la ville, assis là-bas devant les anciens. Mais où était le feu? Le feu était déjà là, mais la présence de l'autre retenait le feu. C'est comme si le feu n'existe pas, mais le feu est là. Ça me comprend. Mais quand l'autre sort, c'est alors que plutôt le feu a été manifesté. Je prends un autre exemple terre à terre. Moïse dit ceci, quand un homme vient de se marier, ou bien il a fiancé, un homme s'est fiancé à une fille vierge, devant le combat, quand on pose des questions, qui vient de commencer une maison, ou bien qui vient de se fiancer, il n'a pas encore terminé, moi, ronde. Qui a bâti une maison neuve, n'est pas encore entré, moi, ronde. Qui a planté la ville, c'est pas encore réjoui, moi, ronde. Qu'est-ce qui retient la colère de cet homme? Sa maison, sa fiancée, sa ville. Qu'est-ce qui est maison? C'est la femme. Qu'est-ce qui est ville? C'est la femme. C'est ça. Ça veut dire que l'homme ne combat pas jusqu'à ce qu'il termine sa maison, jusqu'à ce qu'il termine sa fiancée, jusqu'à ce qu'il termine tout. Aujourd'hui, Christ ne combat pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore là. C'est toi qui retiens la colère de l'époux. Et le diable ne peut pas se manifester dans sa totalité à cause de ta présence. Donc quand tu dors, bien que fatigué, mais parce que tu es là, tu retardes la colère de Dieu, tu retardes aussi la manifestation totale de la bête. Voilà pourquoi ici, elle apparaît comme si elle n'est plus. Est-ce qu'on a compris Jésus? Est-ce qu'on a saisi? Mais, évangéliste, en tout cas, soulignez ce verset. Ce qui est écrit, soulignez ce verset. Elle n'est plus. C'est-à-dire, la bête était, elle n'est plus. Elle doit monter où? De la ville. Faites ceci. Apocalypse 17, verset 8, égale. Apocalypse 11, 7. Lisez verset 7. Apocalypse 11, le verset 7, nous lisons. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la gueule. Elle était où? Elle était où? Elle était où? Dans la ville. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Faisons un petit exercice sur la Bible pour que vous compreniez ça très bien. Je n'ai pas encore enseigné les crocodiles ici. Je n'ai pas encore enseigné ça. Genèse 1 dit quoi? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres où? Dans la Bible, non? C'est-à-dire qu'il y avait les ténèbres dans la surface de la Bible. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière et les ténèbres.
Vous avez la Bible qui est là. La Bible, c'est l'obscurité. Car Dieu dit que la lumière soit. La lumière, regardez-moi s'il vous plaît. Moïse dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la Bible qui est restée noire. Les ténèbres se trouvaient où? Les ténèbres se trouvaient où? Dieu dit que la lumière soit. La lumière fit. Ce n'est pas toutes les ténèbres qui furent éclairées. Une partie des ténèbres fut éclairée et l'autre est restée dans les ténèbres. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit, Dieu vit que la lumière était bonne, il le sépara avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est-à-dire que les ténèbres sont restées bien que Dieu a dit que la lumière soit. Jésus-Christ vient, il dit, je suis la lumière. Donc quand Dieu disait que la lumière soit, il parlait de Jésus. Maintenant, quand Jésus est venu, il a trouvé le monde comment? Dans les ténèbres. Mais est-ce que tout le monde était éclairé? Non. Ceux qui l'ont reçu sont éclairés. Ceux qui ne l'ont pas reçu sont restés dans les ténèbres. C'est ça. Israël est resté dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas reçu la lumière. Mais nous sommes éclairés parce que nous avons reçu la lumière. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quand on parle de la Bible, on parle du secret. Les ténèbres. Voilà pourquoi, quand Dieu explique à Job le crocodile, il dit, toi, Job, tu peux dompter le crocodile. Parce que quand le crocodile marche, la Bible prend la forme de la chevelure d'un vieillard. Évangéliste Robert, ce qui va éclairer la Bible, ça sera le passage du crocodile. Donc quand le crocodile va passer, alors maintenant, donc, son passage là va éclairer la Bible et la Bible va recevoir la chevelure d'un vieillard. C'est-à-dire que partie de la Bible attend le retour du crocodile. Le crocodile, c'est le retour glorieux. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra comme le grand crocodile qui va faire. Quand il fera comme ça, alors la partie là de la Bible sera éclairée. Parce qu'Israël est resté dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui, il attend le retour glorieux du Seigneur. Alors j'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre la Bible comme les ténèbres, comme le lieu du secret. Mais Apocalypse 11, 7, il dit quoi? Il dit, quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre. Ça, c'est noté parce que dimanche, nous allons placer ça dans le calendrier. Ça dit que l'abîme qui cachait la bête, c'était dans un lieu secret. Mais après, c'était quand la bête réapparaîtra. Et le texte dit, quand la bête réapparaîtra, les gens à qui le nom n'était pas écrit depuis la fondation du monde adoreront la bête. Je suis allé pour vous faire comprendre que le mystère que nous étudions travaille dans les trois temps, passé, présent et futur. Maintenant, quand on dit la bête que tu as vue était, elle était combien de têtes? Cinq têtes. Elle n'est plus. C'est-à-dire, elle existe comme une tête, mais blessée. Elle réapparaîtra. C'est cette tête-là qui réapparaîtra avec les 10 cornes à la fois. C'est-à-dire que nous attendons un antichrist qui viendra dans ce monde avec toutes les puissantes des nations réunies. Est-ce que tout le monde a compris? En un mot, je vais dire quoi? La bête qui était, qui n'est plus, réapparaîtra. Mais pourquoi tu expliques ça au prophète Jean? C'est pour permettre au prophète Jean de saisir les mystères. Hier, mardi, j'ai donné le verset. Supportez-moi, je vais expliquer ça petit à petit aujourd'hui. Parce que je vous ai promis d'expliquer l'Apocalypse 17, mon temps. Première tête, qui était? J'avais dit que c'est quel royaume? Pardon? Assyrie. Deuxième tête, c'était quel royaume?
Troisième tête, c'était quel royaume? Quatrième tête, c'était quel royaume? Ah, les mamans répondent. Très bien. Parce que même les témoins des desseins, leur vieille maman répond leur enseignement. Vous devez répéter l'enseignement parce que vous n'êtes pas groupe de prière. Alors, cinquième tête, c'est quoi? Grec. Sixième tête, c'est quoi? Voilà. Maintenant, comment la bête a travaillé dans la Syrie? Comment la bête a travaillé dans l'Égypte? Comment la bête a travaillé dans Babylone, dans Médie, Perse, la Grèce? Comment est-ce que la bête travaille aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle va travailler demain? Vous y êtes? Vous y êtes alors? Là, on va monter quelques degrés et retenir sa prière. Évangéliste, avance. Nous prenons directement deuxième roi. Chapitre 17, verset 24. Allons-y. On va compter ensemble avec vous. Oui. 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Ava, de Hamat et de Séraphaïm. Attends. Combien de peuples? Commencez à les dire. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone. Oui. De Cutha. Combien de peuples? D'Ava. Combien de peuples? De Hamat. Combien de peuples? Et de Séraphaïm. Combien de peuples? Ça veut dire que Samarie, le roi d'Assyrie a établi dans Samarie combien de peuples pour dominer Samarie? Jésus-Christ dit à la femme, tu avais combien de maris? Tu avais 5. Parce que le roi ici avait appelé combien de puissances pour dominer Samarie? 5. Et les 5 qui sont entrés dans Samarie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Descendez, évangéliste. Et les habitants de la ville de Samarie, à la place des enfants d'Israël, ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Ça veut dire qu'Assyrie a fait quoi? Parce que tout se passe en Israël. En tout cas, je vais vous supplier de me suivre aujourd'hui. Tout se passe, ça dit, parce qu'Israël est le peuple de Dieu. Le diable ne peut pas les laisser tranquilles. J'ai toujours dit qu'on ne te compare pas avec les Égyptiens. Ne te compare pas avec les Édomites. S'ils ne craignent pas Dieu, la pluie peut tomber. Mais même enfant d'Israël, s'ils ne craignent pas Dieu, Dieu ferme les cieux. Ne te compare pas avec les païens. Parce que toi, tu n'es pas païen. Le diable sait qu'Israël doit être tourmenté. Voilà pourquoi le roi d'Assyrie. J'explique comment est-ce que la bête a travaillé dans la Syrie. Il est allé en Israël. Il a pris les 5 nations, les amena ici. Voilà pourquoi il faut toujours examiner. Même si quelqu'un te dit, je suis prédicateur de l'Assemblée des Saints. Il faut examiner parce qu'Assyrie peut prendre les autres et les amener ici, les établir. Si quelqu'un te dit, moi j'ai été baptisé, tu es baptisé, mais tu as quelle nature? Parce que ta façon de servir te prouvera si tu es Israël ou si tu es ennemi. Ils sont là. Il les a établis à la place des enfants d'Israël. Voilà pourquoi n'appelez pas tout le monde frère, n'appelez pas tout le monde sœur. Il y a aussi des gens que Samarie a déporté. Je ne peux pas comprendre un prédicateur que Dieu a envoyé. Il ne sauve pas, mais sa vie détruit les foyers, la vie des gens. Je me pose la question, si ce n'est pas un déporté. Et moi j'ai toujours crié à la déclamation de ces brigands-là. L'idée à Jésus, sauve-toi toi-même et tu nous sauveras. Mais comment toi tu n'es pas encore sauvé? Tu vas me sauver comment? Même Moïse qui avait la mission de libérer Israël, parce qu'il était égyptien, il ne pouvait pas partir. Parce qu'il était juif, il ne pouvait pas délivrer les juifs, parce qu'un hébreu, c'est un esclave. Il faut qu'il vive dans la maison de Pharaon comme l'égyptien, afin d'avoir l'autorité
libre. Mais quelqu'un qui est esclave, par son message, je ne serai pas délivré, je ne serai pas sauvé, je ne serai pas baptisé par le Saint-Esprit. Et c'est très important, parce que beaucoup de gens disent, autant la maçon, ma vie saute pas assez, pour y avoir une église et royaume. Ils sont autant la maçon, ma vie, parce que notre vie dépend de l'enseignement qui est tombé. Ici, on ne dit pas mon conduit à Zalanaïo, parce que nous avons mon conduit, mais mon conduit à Zalanaïo sont bénis. Ici, on doit vérifier l'identité de celui qui nous prêche, parce qu'il y a aussi des déportés. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait, évangélistes? Allons-y, allons-y. Le verset 5. Et le roi d'Assyrie parcourt tout le pays. Non, nous sommes toujours dans 2 Samuel chapitre 17. Oui. Prenez le verset 25. Nous sommes là. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre des lions qui les tuaient. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans le pays d'Israël, mais ils ne savaient pas comment servir les dieux d'Israël. Parce que chaque pays a sa façon de servir. Tu ne peux pas venir. Nous avons vu des gens comme ça. Il est venu dans l'Assemblée des Saints. L'Assemblée des Saints, c'est un pays. Tu ne peux pas venir servir les dieux étrangers ici parce que nous avons notre coutume, nous avons notre façon de prêcher, de prier. Même Moïse a dit ça. Il dit, Pharaon, si nous prions ici, vous allez nous lapider. Laissez-nous sortir parce que notre façon de prier, c'est différent de votre vie. Notre façon de chanter, c'est différent chez vous. Vous chantez, mais ici, du début jusqu'à la fin, c'est toujours Christ. Donc notre façon de prier, c'est différent. Voilà pourquoi moi, je crois que les lions doivent se lever pour faire sortir ces faux adorateurs-là. Nous avons vu des gens comme ça, lui. Il baptise des gens, lui-même n'est pas baptisé. Il impose les mains, lui-même n'est pas imposé les mains. On pose des questions, non, moi je n'ai pas été imposé, moi j'ai été imposé les mains à l'éternité. Alors si on t'a imposé les mains à l'éternité, retourne les gens aussi à l'éternité pour qu'on les pose les mains. C'est-à-dire que les dieux de chaque pays, bon carambo, que ça dans le lingue, ma sambe la carte. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Quelqu'un vient de moi, j'ai été directeur national général chargé de partenaires dans un même arabe. Ça, c'est votre façon de prier. Mais ici, nous avons notre façon. C'est-à-dire notre façon de prier, c'est différent. Tu peux déporter les gens, mais ça passe. Voilà ce que la Syrie a fait. Les esprits ne meurent pas, les hommes meurent. Aujourd'hui, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Assyrie a fait quoi? Il a pris les dieux, il a pris les nations étrangères, les amena à Israël. Mais comme il ne savait pas, papa, reprends ce verset. Reprends ce verset. 2 Roi 17, verset. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans la ville de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Il y a la manière de servir le Dieu de ce pays. Amen. Il y a la manière de chanter, il y a la manière de prier, c'est-à-dire que chaque pays a sa manière d'habiter, a sa manière, c'est-à-dire même sa façon de s'habiller, même sa façon, pourquoi je dis à nos prédicateurs, n'imitez pas les nations. Nous avons notre façon de célébrer les mariages, nous avons notre façon de prier, nous avons notre façon de chanter, parce que les dieux de ce pays adore l'ordre qu'il a établi. Le jour où Dieu changera sa parole, il ne sera plus Dieu. Pourquoi il peut mourir à la croix? C'est pour accomplir sa propre parole. Je peux continuer. Voilà ce que la Syrie a fait. Parce que le mardi, je parlais d'hier. Voilà ce qu'il a fait hier. 2 Chroniques chapitre 36. On court rapidement parce que j'ai trop à dire aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 36, verset 4. Allons-y, évangéliste.
Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Eliakim. Comment le roi d'Égypte, évangéliste et rebelle, doit venir établir le roi en Israël? Alors que Moïse avait dit quoi? Deutéronome 17. Ces versets ici, les versets de Deutéronome 17, Samuel l'ignorait, vous savez ça? Parce qu'on peut être prophète de Dieu, mais ignorer aussi d'autres choses. Et vous ne croyez pas comme ça? Vous ne croyez pas? On peut être prophète, on peut être ministre, mais comme Moïse aussi, vous savez que Moïse, quand on a trouvé quelqu'un, quand on a trouvé quelqu'un en train de ramasser les bois, c'était quel jour? Jour de sabbat, non? Moïse a dit, bon, en tout cas, laissez-moi aller demander le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, on peut être ministre, on te pose la question, ne sois pas pressé de répondre parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut aller demander à Dieu. Donc, si tu es pressé, tu vas mentir. On peut être ministre, mais il y a d'autres choses qu'il faut aussi écouter l'autre. Alors, vous ne croyez pas comme ça? Il faut aussi écouter l'autre. Deutéronome 17, verset 15, évangéliste, allons-y. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Et puis celui qui doit établir le roi, ce n'est pas l'étranger. Voilà pourquoi ici, dans ces pays que je parle, l'Église véritable, Dieu ne peut pas changer sa parole. Qu'est-ce qui a été fait? L'Égypte est allée mettre l'ordre en Israël, alors qu'Israël a sa façon de faire. Tout ce qui se fait en Israël, Dieu l'a déjà écrit dans la loi. Pourquoi Israël n'a pas reçu Jésus-Christ? C'était la loi. Parce que Moïse avait dit, si un homme séduit une vierge, la déflore, parce que tu as défloré la vierge, tu vas aller chez les parents, tu donneras 50 cycles d'argent, parce que tu as des vierges. Prendre la fille au mariage ou pas, mais tu dois quand même payer les prix, parce que tu as défloré. Maintenant, cela reviendra au père. Le père dira, je te donne ma fille, tu la prends. Si le père dit, je te donne pas ma fille, tu la laisses, mais le prix est déjà payé. Jésus-Christ monte à la croix, il paye le prix. Mais un père n'a pas donné, lui donner la fille. C'était Moïse. Moïse n'a pas voulu donner à Jésus la fille. Israël est resté aujourd'hui. Mais le prix est déjà payé. Mais nous, la grâce, nous sommes là à la maison. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas changer. Là, je vous dis ce qui est vrai. L'Égypte faisait tout pour persécuter ses patients. Le roi qui est établi par les Égyptiens doit accomplir sa volonté. Je vous épargne beaucoup de détails. Voilà ce que les Égyptiens faisaient. C'était toujours la manifestation de la vérité. Supportez que je m'attarde aujourd'hui sur Babylone parce que je parle de Babylone. Vous le voulez aussi? Supportez que je parle de Babylone. Babylone, parce que j'explique le ministère de cinq têtes d'hier. Babylone a fait quoi? En tout cas, je veux que le Seigneur m'accorde un langage très facile pour vous enseigner. Israël n'a pas cherché la guerre aux Babyloniens. Mais parce que Israël est le peuple du Seigneur, il est toujours combattu. Donc, même si tu dis Satan, pardon, à cause de la parole que tu as, le diable cherchera toujours les moyens de te combattre. Amen. Et tu es heureux parce que le prophète te révèle le mystère. J'ai dit que le prophète voyait de l'autre côté et il dévoilait les secrets. Le Seigneur Jésus-Christ voit tout ce que le diable prépare là. Quand j'enseigne Babylone, je comprends l'amour de Dieu dans nos vies. Comment tous ces plans dans le cœur de l'ennemi, mais nous vivons, nous prions, ce qui est réellement Dieu nous a aimés. Amen.
Babylone fait quoi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais m'attarder là. Deuxième point. Stratégie babylonienne. Comment est-ce que Babylone travaille? Deuxième point. Évangéliste, je vais résumer. Avant qu'évangéliste ne lise, s'il vous plaît, suivez-moi ici. Je vous en prie, regardez au tableau. Je veux que vous repreniez ça bien. Shalom l'église. Shalom. Shalom. Je vous en prie de me suivre. Israël avait 12 tribus, n'est-ce pas? Israël avait 12 tribus. Mais j'aime le langage prophétique. J'aime le langage prophétique. Déjà au temps de Jacob, il avait déjà séparé Israël. Mais il faut voir les yeux pour voir. Quand ses frères l'ont vendu, c'est-à-dire Joseph vendu en Égypte, ils sont restés au nombre de combien? 11, n'est-ce pas? Jacob envoie les 10. Les 10 s'en allèrent. Qui est resté avec Jacob? C'était qui? Benjamin. Qui était en Égypte? Joseph. Les 10 s'en allèrent. Ils sont arrivés là-bas. Joseph les a vus, il les a reconnus. Il dit, vous êtes les espions. Non, nous ne sommes pas des espions. Il dit, bon, ok, allez-y. Je reste avec Simeon. Simeon est resté. Ils sont restés combien? Arrivés là-bas, ils étaient combien? En Égypte, ils étaient combien? C'est-à-dire que c'était deux et dix. Hey, vous me suivez? Amen. C'était deux et dix, n'est-ce pas? Amen. Voilà ce qui a été fait, s'il vous plaît. Joseph avait dit, vous n'allez pas voir mon visage si vous ne me ramenez pas Benjamin. Parce que si Benjamin manque, vous ne verrez pas mon visage. Ils ont mangé la nourriture. La nourriture. Ils ont dit, bon, papa, nous voulons aller donner nos Benjamin. Jacob dit non. Qui est allé premièrement? Ruben, l'hippopotame, première créature. Il dit, papa, laissez Benjamin. Parce que on ne peut pas voir le visage. Mais ça va rassembler. Si nous négligeons l'amour divin, on ne verra pas la face du Seigneur. Bon, Rebelle dit non. Vous avez déjà pris. Joseph est parti. Tu es parti. Alors que Jacob prophétisait sans le savoir. Il avait pris la tunique de Joseph sur lui dit. Je ne vais pas terminer le deuil jusqu'au séjour des morts. Mais le séjour des morts, c'était où? C'était l'Égypte. Parce que quand il plairait Joseph, Joseph interprétait les songes de l'Égypte. Quand Israël plairait Jésus, dans le séjour des morts, il interprétait les songes. Parce que vous ne croyez pas comme ça? Le séjour des morts, c'est la bonne nouvelle pour les Égyptiens. Quand l'enfant prodigue revenait, qu'est-ce que le père a dit? Il dit, mon fils qui est mort, revenez à la vie. C'est que là où il est parti dans le séjour des morts pour distribuer la richesse aux prostituées. Alors maintenant, Jacob dit, je ne peux pas laisser Benjamin. Je vous donne l'historique d'Israël pour que vous saisissiez bien ce que je vais expliquer. Je ne veux pas laisser. Pendant qu'il parlait, qui a-t-il d'ouvrir le livre? Qui a-t-il? Qui a-t-il d'ouvrir le livre? Qui a-t-il? Mais quand Jean Péron lui dit, regardez les lions. Parce que ça, c'était un livre scellé. Joseph était un livre scellé. C'était tout un mystère. Qui pouvait l'ouvrir? Personne. Mais Judas s'approche et dit, papa, donnez-moi Benjamin. Si quelque chose arrive, mets ça sur mon compte. Maintenant, Jacob donne Benjamin à qui? C'est-à-dire, il a séparé 2 et 10. Parce que Judas était digne de prendre Benjamin. Et arrivé en Égypte, Joseph les a compliqués. Il dit, je reste avec Benjamin. Quand tout le monde parlait, Joseph me faisait rire. Judas s'approche, prenez-moi. Joseph a fait 2 mouvements, il entre. Il sort ce qui était caché dedans,
D'ailleurs, il te dit, c'est moi Joseph. Ça dit que tout le mystère est dévoilé. Parce que celui qui avait pris le livre, c'était Judas. Et celui qui revient dans l'Apocalypse, dit, pour les rachats, c'est le lion Judas. Parce que quand il rugit, les sept tonnerres firent attendre leur voix. C'était la voix de Judas. Ça dit que Judas a commencé la rédaction. Judas va terminer la rédaction. Là, Jacob ne sait pas moi. Il sépare Judas et Benjamin. Voilà pourquoi les rois, Salomon, parce qu'il n'a pas obéi, je vous donne l'historique d'Israël, parce qu'il n'a pas obéi, Achija, le prophète, prend le manteau, il sépare ça à tous. Il tombe une peau. À Roboam, 10 à Jéroboam. Il a séparé comme Jacob avait fait. Et ce jour-là, Roboam vient quand il explique le ministère de ce côté. Je vous ai déjà enseigné ça. Que si le père a frappé, moi le fils, je vous frapperai plus. Les 10 partent avec Jéroboam. Ils forment le royaume d'Israël avec la capitale Samarie. Et l'été, c'était qui? Juda et Benjamin partent avec Roboam pour rester fidèles au royaume de David. C'est ça, 10D. Amen. C'est ce que Moïse a fait. Je vous donne maintenant le pourquoi, parce que ça c'est l'histoire. Moïse a fait, il envoie 12 espions au retour. 10 espions parlent comme un servant. Nous sommes partis de ton pays, retournons en Égypte. Ça c'est le ministère de la loi. Et les deux parlent comme un servant. Si Dieu est avec nous, nous en aurons. Ça dit que les deux se séparent avec les 10. Les 10 commandements de la loi nous retournent dans le monde, mais l'amour de Dieu. Manifester Dieu, mais là, Dieu son prochain, nous fait entrer dans l'éternité. Là, j'ai dit shalom parce que nous sommes dans la chambre. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je veux seulement dire qu'en réalité, Israël est séparé en 10 dés. C'est-à-dire, quand je parle de la Samarie, je parle du royaume du Nord, et puis Juda, c'est le royaume de Sud. Quand je parle comme ça, c'est-à-dire, Juda avait sa beauté, c'était le temple. Le temple était au milieu. C'est ce qui faisait la beauté. Et Israël était dans la dispersion parce que les rois de Samarie les a déjà amenés dans la dispersion. Jusqu'à quand Jésus est venu, Israël n'était pas encore retourné. Voilà pourquoi les apôtres posent au Seigneur Jésus-Christ la question. Est-ce que c'est dans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que le royaume d'Israël était déjà dispersé. Maintenant, Babylone arrive. Vous êtes? Babylone arrive. Il va assiéger Juda. Retenez ça très bien. Ça dit, Jérusalem était entouré par 12 murailles, et plutôt 12 portes. Commençant par la porte des brebis. Je ne vous ai pas encore enseigné ça. Porte des brebis, porte des poissons, porte des chevaux, porte des inspections, porte des fumiers, porte, c'était 12 portes. C'était 12 portes qui formaient muraille de Jérusalem. Et nous avons vu la vraie muraille. Jésus marchait avec 12 portes. Donc pour entrer, il faut, pour entrer dans cette ville, il faut par les 12 portes. Maintenant, Israël est dans la sécurité. Juda est dans la sécurité. Mais Babylone est venu les attaquer. Je vous explique la bête qui était, comment est-ce qu'elle a travaillé pour que vous saisissez. Je vais transposer ça, c'est-à-dire sort dans l'histoire pour que vous retenez bien les textes. Sinon, ça sera comme un cours de l'histoire. Ils sont là à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se faisait à l'extérieur? Laissez-moi voir. Et puis, retenez. Suivez, je vous en prie. Écrivez, il y a 3 déportations. Bien que les gens ne lisent pas bien, il y a 1ère déportation, 2ème déportation et 3ème déportation. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar Babylone n'a pas détruit Jérusalem une fois. Il est venu première fois, deuxième fois, troisième fois. Vérifiez, écrivez. Première déportation. Deuxième roi, chapitre 24. Deuxième roi, chapitre 24, verset 1er, jusqu'au deuxième verset. Ça, c'est la première déportation. Deuxième déportation. Deuxième roi, chapitre 24, verset 10, jusqu'à 11e verset. Et enfin, troisième déportation, deuxième roi chapitre 25, verset 1er jusqu'au 7e verset. Babylone n'a pas attaqué Jérusalem une fois.
C'est là où on se trompe. Au moins, ma gamme est sympathique. Et ça, la moelle de côté. Attention. Quand le diable t'attaque, il sait que tu es peuple de Dieu. Il peut changer de stratégie. Il vient aujourd'hui. Il ôte les ailes de la prière. Tu gênais auparavant. Tu ne parviens plus à gêner. Tu commences à donner des raisons. La santé. Et tu fais un effort. Il n'y a plus les ailes. Il ôte l'amour de Dieu. Bon, je vais payer la dîme après. Tu ne sais pas que tu es déjà attaqué, assiégé. Amen. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Non, vous faites la vie comme mon tuteur, il est mort. Et celui d'arriver. Ça veut dire que le diable, quand il veut t'attaquer, il change de stratégie. Les déportations que je parle pour Israël, pour nous aujourd'hui, ça existe. Le diable, pour te détruire, il peut changer de stratégie. Deuxième roi, évangéliste, allons-y. Deuxième roi, chapitre 25. Commencez par le premier verset. Allons-y. Deux rois, 25, le premier verset. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. Voilà ce que Nabuchodonosor a fait. Premièrement, il faut rétablir ça. Papa, reprenez ce verset, s'il vous plaît. Reprenez ce verset. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. Il campa où? Il campa où, évangéliste? Campa devant elle. Et éleva des retranchements tout autour. C'est-à-dire, Babylone fait quoi ici? Babylone fait quoi? Il vient, il n'entre pas dans Jérusalem. Il campe tout autour. Voilà l'esprit de contrôle. Parti que lui va mon boca, bon lui en a dit non, mais va contrôler lui non, va contrôler pas ma tête. Ça n'a qu'à ma vente. Ça n'a pas de retranchement. Ils sont derrière. Et Israël est là-bas à l'intérieur, ils mangeaient, mais à l'extérieur. Tout est contre. C'est la stratégie babylonienne. Il peut te laisser ton travail, laisse tout, mais il est là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit vérifier l'intérieur et l'extérieur. Attention. Quand il festoyait, dans Daniel chapitre 5, je ne sais pas si, oh là, je devais expliquer ça aujourd'hui, mais le temps est déjà parti. Quand il festoyait, il regardait seulement l'intérieur, mais Daniel a vu l'extérieur de l'intérieur. Il a dit, mon roi, attention, c'est la destruction. Nous sommes ignorants de ce qui se prépare à l'extérieur. Voilà pourquoi les gens, la vie bloque. Rien ne marche, tout est bloqué. Parce qu'ils ne savent pas que, tel que tu es là à l'intérieur, Babylone retranche. Donc, il a fait des retranchements tout autour. C'était la neuvième année. Allons-y, évangéliste. Descendez. Verset 2. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi de Sédécias. Ah, évangéliste. Batoubaba lui, deux ans, patient, dans le monde de Sarou, dans la Sadi, Batiki n'a vu non plus. Bon, ça n'a pas de mais papa, il n'a pas de l'année. Depuis quelle année? Neuvième année, dit onzième année. Il dit, on l'a pressé. On s'en veut dire que plus un Zamba, il occupé. Et c'est Zamba, mon amène. Babylone n'a pas patient. Pourquoi on a la patience? Pourquoi il dit qu'il y a un mot qui a un corollaire? Ah, c'est l'homme qui aussi. Ça veut dire quelque chose? Babylone a laissé Israël. Il n'entre pas, évangéliste, parce qu'il mira, il est bien là-bas. Il n'entre pas. Dans le monde, il n'a pas de mot. 9e année. 10e. 11e. Mais les gens sont pressés. J'ai prié, Dieu ne me cause pas. Mais tu ne sais pas comment est-ce que le diable ne se prépare pour t'attaquer. Ils sont là patients. Ils ont créé des retranchements. Mais ils sont là patients. C'est la stratégie babylonienne.
Nous allons retourner là-bas. Allons-y pour voir comment est-ce que Jésus-Christ a interprété ça. Luc chapitre 19. Vous êtes fatigué, je vois. Oh non, si j'aime. Luc chapitre 19. Ah non, si ça ne m'a pas donné le docteur. Luc 19, verset 42. Parce que dimanche, je voulais déjà entrer dans les temps. Luc 19, verset 42-43. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Ah, il revient à ce que Babylone avait fait. Parce que Babylone, pour attaquer Jérusalem, il avait environné, encerclé, retranché, jusqu'à les étouffer à l'intérieur. Maintenant, Christ regarde Jérusalem et dit, si tu connaissais les jours, c'est-à-dire, la seule chose qui peut garder le temple, la ville, c'est l'obéissance à la parole. Parce que tu as gardé ma parole, moi aussi je t'ai gardé. Nous ne sommes pas épargnés aux oppressions de l'ennemi. Voilà comment est-ce que le diable oppresse. Mais il l'a encerclé. Allons-y. Deuxième roi, chapitre 25. Retournons là-bas. Nous sommes toujours là, évangéliste. Allons-y. Verset 3. Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville. Vous voyez la stratégie? Ils n'entrent pas. Mais ils ont seulement encerclé. Ils vous ont laissé tout. Ils savent que les magasins sont là, les dépôts sont là. Vous allez vous ravitailler où? Vous allez vous ravitailler où? Parce qu'il vous a laissé tout. Vivez là-bas dans la rue. C'est comme quelque part aussi. On nous a encerclés. Bon, Lia, bon, tape, les carburants sont ici, bonjour. Il a voulu à bonjour. C'est la stratégie de l'ennemi. Il a tout laissé, mais il est là. Descendez, évangéliste. Et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens des cœurs s'enfuirent de vous. Voilà, c'est-à-dire parce qu'il n'y a plus la paix, il n'y a plus le pain, il n'y a plus à manger. Il faut maintenant faire la brèche pour fuir. Voilà la stratégie. Je suis allé pour chercher à vous expliquer. Il opprimera les saints du Très-Haut. C'est ça l'oppression. Le diable, pour t'oppresser, il te connaît bien. Il connaît les points faibles. Il sait là où il faut encercler pour t'étouffer. Et tu es heureux si tu gardes la parole. Amen. C'est ça la stratégie babylonienne. Je parle de comment est-ce que Babylone a travaillé. Parce que c'est la mère des abominations. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'iniquité sera accrue. Et la charité des morts n'a pas été faite. Parce que l'abomination sera tellement grande. Tout enfant de Dieu doit être averti comment vérifier sa vie devant l'oppression. Si tu vois que ça ne marche plus, il faut t'examiner. Intérieur et extérieur. Parce que le diable te connaît, il te combat d'une manière, d'une autre. Deuxième Pierre, le temps est parti, je n'ai pas terminé. De toute façon, on va revenir encore la nuit, voilà pourquoi je dois m'arrêter là-bas. Deuxième Pierre, chapitre 2. Allons-y, commencez par les premiers versets. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Les faux docteurs, ça c'est la stratégie de l'ennemi parce que le diable pour étouffer les gens. J'expliquerai ça le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je sais que beaucoup de gens vont dire, le prophète Jean-Louis, tu exagères. Je vais montrer comment est-ce que même parmi nous, les levains est entré. Les levains est entré. Nous avons prêché d'autres choses qui ne sont pas comme ça. Heureusement que Tokou finalement nous devons nous repartir. Le jour où j'ai lu que Jacques dans la pasteur est assemblé à Jérusalem, dans la frère et Jésus dans Zoom. Je me suis reparti. On a l'air à Zamboye. Donc, Jason est un ministre.
moi, la mère Rosa ministre, bien. Et on a fait ça aussi, la doctrine. Donc, moi, la dame ministre, j'ai bien Rosa ministre, bien. L'église est comme il y a Bangote. Mais Jésus, l'église à Jérusalem, frère Naël Jacques, frère du Seigneur dans la mosquée. On a fait ça. Ouais, mais comme l'église n'y a pas tout, mais ton Zambé, elle s'est dit que ce sera l'église de son ministre, jamais la rose à Nan. Comment l'église n'y a pas? Smaï la rose à ministre, soit la ministre. On m'a dit que comment doctrine a vu ça. Moi, l'église n'a pas, mais la Bible, tout le monde dit Jésus. Jacob Albara, Jacques à Jérusalem, on va faire Jésus dans le monde. Amen. Mais pas la vie sur la terre. Donc, si on est déjà papa, un ministre, moi, on a reçu un ministre. Là, c'est l'enfer. Et on a prêché ça. Mais la Bible, les amis. Il y a d'autres choses qu'on a fabriquées nous-mêmes. La culture congolaise, c'est pas la doctrine. La doctrine reste la doctrine. Donc, lui, son père, sans âme, que son prince, son ministre, hein? Donc, Nani, comment est-ce que vous avez un prince? De 5 ans, ça n'a pas de la chair, n'a pas de la famille. Le vieux a eu une chute. Amen. Donc, Joy, avant la ministre, était. Joy, ministre, moi, la pasteur, la tissue, les cartes à la police, l'église m'a fait vous dire, c'est du supporté la versée ligne. Donc, ça, le soir, il m'a pasteur, avant de m'avoir la famille. Nous sommes venus à nous adopter, frère. Donc, doctrine à moi, ma raisonnement là-dessus. Nous avons organisé l'assemblée de Saint-Denis parmi la prostitution. Et qu'on tape. Nous avons la vidéo de M. Soyo, dont nous avons la mobilité à terre. Nous avons amené là-dessus à vous comprendre le matin. Tous ceux qui ont été congolais, tout le monde ici. Nous avons eu ça, nous avons eu ça, alléluia, papa, et nous avons eu l'assemblée de Saint. Voilà qui tire à Bangala. Ceux qui montent à ça, une louange en anglais, on va les voir l'option. Vous savez, voilà, qui tire à Bangala, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. En Afrique du Sud, pour proposer ce mon anglais, parce que Rumba et Outa n'a l'eau la paix, et la qui tire à Batoua Matina. Que le Seigneur vous bénisse. Babylone n'a pas arabe à ton pour la mission. Il faut être prêt de lever, faire de venir toute la partie de moi. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Donc, il y a des choses qu'on a inventées. On croit que c'est la doctrine, ce n'est pas la doctrine. Et ce qui me fait la paix, je ne suis pas contre mes doctrines. Évangéliste, ah, Babylone, évangéliste, vous avez un problème. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura des mêmes parmi de faux docteurs. Parce que ce sera aussi l'église de la docteur et béné et la rassemblée la mission. Dans la bataille. Maintenant, j'ai peur qu'il y ait des fabrications des enseignements. Parce qu'il y a d'autres choses que les gens prêchent. Autour de la on a Bible Wap. La Maccabée, on a Siracid, toi, et Badé. C'est le langage de Cana. La langage de Cana est Wapi. Il faut vérifier les écritures parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Papa, il est écrit quoi? Il dit que plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ici, moi, je suis strict et sévère. C'est-à-dire que quand le peuple s'élève, c'est au-dessus même de Jean-Louis. Quand la doctrine s'élève, c'est au-dessus de moi. Amen. Nous devons vérifier tout ce que nous faisons parce que le vin de la prostitution est en train petit à petit, et les gens se croient qu'ils sont toujours dans la vérité alors qu'ils sont déjà loin de la vérité. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire que Dieu nous a envoyé la parole seulement pour gonfler les têtes, mais le cœur se vide. Non! J'aime beaucoup le Seigneur. Il dit ceci. Évangile, c'est ça. Ça me fait toujours peur. Prenez le verset 4 et je pars pour terminer parce que le temps est parti. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, hein? Évangile, c'est pas ange. Donc, quand on sort dans la doctrine du Seigneur, quel que soit ce que tu es, Dieu ne va pas te parler. Parce qu'il n'a pas épargné les anges.
Descendez, descendez. Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et le réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le huitième, c'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fait venir les déluges sur le monde d'impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres des villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Merci Seigneur. Et s'il a délivré les justes Lot, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ces justes qui habitaient au milieu d'eux, tourmentaient journalièrement son âme juste. Je veux dire que, évangéliste, c'est une très belle lecture là où je veux terminer la prédication d'aujourd'hui. C'est-à-dire, l'oppression babylonienne, nous ne sommes pas épargnés de ça. Il y a une Noé qui habitait dans la génération de la séduction. Et il dit, même Lot était tourmenté journellement. Ça veut dire que chaque jour, son âme était tourmentée. Quand dans la Facebook, si ton âme n'est pas tourmentée, tu n'es pas juste. Ça va trop dans la marche, tu te prends à ta maman. L'homme il a mal, il va me dire, le frère d'Abissé et l'Église avec l'équipe nationale à Zambie. Bon, je vais seulement vous faire comprendre que la séduction est tellement grande que les saints sont tourmentés. Et vous ne serez pas épargné de ces tourments. Pour autant la mise sous vous, autant la mise à la base de la vous a tourmenté. Autant la moquine de l'autre, vous a tourmenté. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur juste est capable de nous délivrer parce que nous attendons sa délivrance. Verset 9, dit quoi, on termine là-bas. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les impieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Merci. Ça dit, Babylone a entouré Jérusalem. On peut me poser aujourd'hui la question, prophète Jean-Louis. Aujourd'hui, Jérusalem signifie quoi? Aujourd'hui, le temple signifie quoi? Si hier c'était une ville, Jérusalem, pour nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Et la véritable église, véritable cité de Dieu, c'est ça, Jérusalem. Un enfant de Dieu qui vit dans la grâce, nous représentons Jérusalem. Là où nous sommes entourés d'une manière, d'une autre, pour nous étouffer. Mais la bonne nouvelle pour nous, pour Israël chercher la brèche pour sortir, mais nous, quelqu'un viendra nous enlever. Donc nous n'allons pas craindre l'oppression de ce monde. Je vous ai montré comment est-ce que le diable nous encercle. Tu sors le matin, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire, tu te poses des questions. Je te dis, cela ne vient pas à ça. Il y a le diable qui t'oppresse. Le temps ne passe pas. C'est-à-dire, tu as jeûné, rempli de l'esprit, mais les choses deviennent difficiles. L'oppression. Et l'oppression de l'ennemi, c'est ça la stratégie babylonienne. C'est-à-dire, nous étouffer, nous entourer. Il y a des fois, tu regardes comme ça, il n'y a plus l'issue. Tu te poses des questions. Mais je veux vivre comment? Les diables nous oppressent. C'est ça la stratégie du diable. Voilà pourquoi je vous ai dit le mardi, j'expliquerai ça le dimanche parce que le temps nous est déjà parti. Comme nous allons revenir la nuit, je dois m'arrêter là. Jacob a souffert 10 ans. Il dit ceci à Laban. 10 ans, plutôt 10 fois, tu as changé mon salaire. Tu m'as maltraité 10 fois. Et le Seigneur dit à l'église de Smyrne, tu auras la tribulation de 10 jours. Daniel dit à l'énigme, éprouve-nous 10 jours.
chiffre de l'imprimé. Jacob, on a changé son salaire 10 fois. Mais Laban croyait qu'il a le pouvoir sur Jacob. Non, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Il peut t'oppresser. Il peut faire tout pour que tu trouves qu'il n'y a plus l'issue. Il n'y a plus la solution. Mais je suis venu te dire ce soir que le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Tu peux te poser des questions, tu trouves qu'il n'y a plus de solution. Sache que l'oppression existe parce que tu es le vrai Israël. Laban dit, pourquoi tu m'as fui? Je pouvais te laisser sortir avec des tambourins. Ne m'inquiète pas de dire, je vais expliquer ça. Il prophétise, je pouvais te faire sortir avec des cris de flûte, de trompette. Parce que ça sera l'enlèvement. Nous allons sortir comme ça. Et David a vu la reine accompagnée de filles d'honneur qui entraient dans le palais du roi. Parce que les filles d'honneur, ce sont les Éphésiens 4 qui doivent accompagner l'épouse. Au milieu des tambourins et des danses. Parce que quand nous allons quitter ce monde ici, ça sera la joie. Voilà pourquoi Jean dit, siez, chantez, soyez dans la gloire. Aujourd'hui nous chantons, mais on n'a pas encore chanté. Mais quand nous allons quitter ce monde, ça sera la joie. Maintenant, Laban prophétise, pourquoi tu as pris mes filles comme les prisonniers de guerre? Tu es sorti comme ça. Et il se contredisait. Je pouvais te faire du mal. Non, les 10 jours là suffit. Dieu ne permettra pas que Jacob soit touché. Même une brebis, même le plus faible. Je suis venu dire aux gens, faible ce soir. Parce que tu es dans le troupeau de Jacob, Laban ne te touchera pas. Quel que soit le plan de l'ennemi, tu ne seras jamais touché. Tu n'as pas besoin d'être fort. Et Jacob n'a pas intercédé pour le fort. Il a intercédé pour le fort. Il dit, Esaou, je ne peux pas forcer la marche. Non parce que j'ai des brebis fortes, mais j'ai des brebis qui allaitent. Très faibles. Donc si Christ marche encore petit à petit, c'est à cause de ma faiblesse. Donc personne ne peut me condamner parce que je suis faible. Mais il y a un Jacob qui marche pas à pas pour que moi je devienne fort. Ce message, c'est pour vous rassurer. Quelles que soient les stratégies babyloniennes, l'étouffement de la ville, mais la grâce du Seigneur est là. J'ai aimé, je termine là-bas, j'ai aimé. Et ceux qui suivent, suivez ça avec beaucoup d'attention. Ayez les oreilles, parce que moi je crois qu'ici, nous prions dans l'église des pierres après Pentecôte. Parce que ceux qui ont prié dans l'église des pierres, avant Pentecôte, n'ont pas des oreilles. Oui, parce que quand Pierre prend l'épée, c'est pour le témoin, mais il servait Dieu, tout en n'ont pas d'oreilles. Et heureusement qu'il est ici, nous prions dans l'église où il y a des oreilles. Salomon, quand il a bâti le temple, il a fait 2 mouvements, je termine là-bas. Parce que Babylone, je vais expliquer les 3 déportations dimanche, ne vous en faites pas. Babylone a enlevé quelque chose, il a enlevé, et 3e déportation, il a tout détruit. C'est là où je vais expliquer le mystère de l'iniquité qui agit et la manifestation totale de la bête. Qu'est-ce qu'il faisait? Le temple qui faisait la gloire, parce que s'il n'y a pas le temple, Israël n'est pas un peuple. Voilà pourquoi quand Christ dit comme il n'y aura pas une pierre sur notre peuple. Ils ont dit, dis-nous qu'à cela arrivera. Finalement, parce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas supporter l'absence du temple. Quand Salomon construit le temple, il a prié, il dit, Seigneur, si ton peuple vient d'enseigner, exaucer, même dans les difficultés, dans les épreuves, dans la chute, dans la guerre, exaucer. Et Dieu a dit, désormais, mes yeux seront fixés sur cette maison, sur des prières faites dans ce temple. Mais Dieu avait ajouté un détail que les gens ignorent. Il dit, Salomon, si tu gardes ma parole, je garderai le temple. Mes yeux sont là, mes oreilles sont là, mais si tu gardes ma parole, je garderai le temple. Si tu ne gardes pas ma parole, ce que je ferai à celui-ci, les gens diront, Dieu n'avait pas aimé Israël.
une déclaration très forte. Ça veut dire que toutes les prières faites, tous les sacrifices, les constructions sont liés à l'obéissance du roi. Tout ce que Salomon a fait, vous savez, le temple n'était pas conçu par Salomon, c'était par David. David qui avait le plan, Salomon est venu seulement manifester pour accomplir ce qu'Israël a chanté en traversant la mer Rouge. Tes mains ont délivré, tes mains ont bâti. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait était conditionné par l'obéissance du roi. Mais Salomon, à la fin de son ministère, n'a pas obéi la parole. Voilà pourquoi la maison ne pouvait pas être gardée devant Babylone. Mais moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un, le roi, qui dit, je bâtirai ma maison. Et les portes de séjour des morts ne provoqueront jamais. Parce que c'est lui le roi obéissant. C'est-à-dire, les sacerdotes où nous sommes, le diable peut s'élever, le diable peut retrancher, faire tout. Mais parce que notre maison est liée à un roi obéissant, nous ne serons jamais détruits. Voilà pourquoi quand les dragons voulaient attaquer la femme, quel mystère l'enfant fit enlever. Moi, la bota, ma mère, mais moi, la bota, ma partie, par la bota, les dragons retardent. Enlevez on a secret. Et on l'a bas là-bas. Ah! Au milieu, le col à Moïse. Mais oui. Il y a des gens qui sont tombés. Il y a des gens qui sont tombés. Il y a secret. Papa! La ligne, ça n'a pas parlé. Donc, ça n'a pas sa maman, ma fille, c'est pas sa maman. C'est ça la matinée. La ligne, c'est la maman, c'est la maman, c'est qui a tabé pas ses amis. Mais il dit qu'ils allaient pour la joie. Il y a la promesse. Donc le diable a des stratégies montées, mais la grâce du Seigneur est sûre. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur parce qu'il t'aime? Il t'aime, quel que soit le plan de l'ennemi, quelle que soit la manifestation de la bête, mais il a un projet de paix pour ta vie. Quel que soit tout ce que le diable peut faire, mais Dieu a un projet de paix pour ma vie. Je vais le remercier pour ça. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur.